Chapitre 29. Cap au Nord. Les arbres ne marchent pas, tout le monde le sait. Le fait est qu'ils doivent néanmoins se déplacer. Comment se déplace-t-on quand on ne peut pas marcher En jouant sur le renouvellement des générations. Un arbre n'a d'autre choix que de rester sa vie durant où sa graine a germé et s'est enracinée. Il peut néanmoins se reproduire. Durant le court laps de temps où les embryons d'arbres sommeillent encore enveloppés dans les graines, ils sont libres. Rien ne s'oppose à ce qu'ils partent vers de nouveaux horizons. Le voyage peut commencer dès que les graines tombent de l'arbre. Certaines espèces sont très pressées. Elles équipent leur progéniture de poils très fins afin que le premier vent les soulève et les emporte. Pour présenter la légèreté nécessaire, les graines des espèces qui choisissent cette stratégie doivent être très petites. Les peupliers et les saules fabriquent ainsi de minuscules planeurs qui peuvent être disséminés à des kilomètres à la ronde. Ces petites graines contiennent très peu de réserves, c'est le prix à payer pour un grand rayon de dissémination. Le germe doit rapidement trouver à s'alimenter par ses propres moyens, ce qui le rend très sensible au manque de nutriments ou à la sécheresse. Les graines de bouleau, d'érable, de charme, de frêne, ainsi que de conifères, sont un peu plus lourdes. La présence de poils ne suffit plus à assurer la portance. Les aides au vol doivent être plus élaborées. Certaines espèces, dont les conifères, équipent leurs graines de véritables hélices qui ralentissent considérablement la chute. Si une tempête souffle à ce moment-là, le vol peut se prolonger sur un ou deux kilomètres. Les espèces à fruits lourds comme les chênes, les châtaigniers ou les hêtres ne parviendraient jamais à franchir de telles distances. Du reste, plutôt que de tenter de construire de quelconques dispositifs d'aide au vol, elles préfèrent passer des accords avec le monde animal. Mulots, sylvestres, écureuils et jets des chênes apprécient leurs graines riches en lipides et en glucides. Ils les enfouissent dans le sol forestier en prévision de l'hiver et ne les retrouve plus ou bien les abandonne. Il peut aussi arriver qu'un mulot à collier constitue lui-même le repas d'une hulotte affamée. Ce n'est qu'ainsi que ce tout petit rongeur peut lui aussi contribuer, quoique très modestement, à la reproduction des arbres. Il est fréquent que les animaux stockent leurs réserves directement au pied du gros hêtre dont ils ont glané les faines. Des petites cavités sèches se forment souvent à la base du fût de l'arbre. Entre les départs des racines, qui sont presque toujours habitées. Si un mulot sylvestre y a élu domicile, des petits tas de fênes vides s'amoncellent devant. Des dépôts sont tout de même dispersés dans le sol forestier à quelques mètres de la mer Arbre. Ces réserves de graines qui germeront au printemps suivant, après la mort du mulot, formeront une nouvelle forêt. Parmi les transporteurs de grosses graines, le jet est celui qui parcourt les plus grandes distances. Il cache les glands et les fênes à quelques kilomètres de là où il les a ramassés, ce qui n'est pas si mal. L'écureuil se limite à un rayon de seulement 100 ou 200 mètres autour du point de collecte, tandis que le mulot enterre ses réserves à 10 mètres tout au plus de son fournisseur. À ce rythme, les espèces à gros fruits ne risquent pas de se déplacer très vite. En compensation, le confortable matelas de substances nutritives dont dispose la graine lui assure 12 mois de tranquillité. Les peupliers et les saules sont beaucoup plus promptes à explorer de nouveaux territoires. Ainsi, lorsqu'une éruption volcanique rebat les cartes, ils sont les premiers sur les lieux. Toutefois, comme ils n'ont pas une grande longévité et laissent filtrer beaucoup de lumière jusqu'au sol, les espèces qui arrivent après eux y trouvent elles aussi leur compte. Mais pourquoi vouloir se déplacer une forêt ne peut-elle demeurer là où elle se plaît et prospérer en paix L'exploration de nouveaux espaces est essentiellement dictée par la modification permanente du climat. Cette modification s'effectue sur plusieurs siècles. Elle est très lente. Mais en dépit de toutes les possibilités d'adaptation, un jour, le climat devient trop chaud, trop froid, trop sec ou trop humide pour une espèce donnée. Elle doit alors céder la place à d'autres et céder la place cela signifie migrer. Les forêts de nos contrées sont en pleine migration. La cause n'en est pas le seul réchauffement climatique, quoiqu'il nous vaille déjà une augmentation moyenne des températures de 1 degré Celsius. Le passage de la dernière période glaciaire à une période interglaciaire plus chaude joue aussi un rôle. Les périodes glaciaires sont les plus déstabilisantes. Lorsque le climat devient durablement plus froid, les arbres doivent se déplacer vers des contrées plus chaudes si la transition s'effectue lentement sur plusieurs générations l'installation en zone méditerranéenne réussit en revanche si la glace progresse rapidement elle submerge les forêts et engloutit les espèces qui lambinent il y a trois millions d'années nous trouvions sous nos latitudes outre le hêtre commun que nous connaissons également le hêtre à grandes feuilles mais tandis que le être commun parvenait à gagner le sud de l'Europe, la variété à grandes feuilles plus lente s'est éteinte. L'une des raisons de cette extinction est la barrière naturelle des Alpes qui fermait la voie vers le sud. Pour la franchir, les arbres devaient s'implanter en haute altitude puis redescendre de l'autre côté. Or, même en période interglaciaire, il fait trop froid pour que des arbres s'implantent en haute altitude, si bien que le destin de nombreuses espèces s'est arrêté à la limite de la forêt. Le hêtre à grandes feuilles est aujourd'hui exclusivement présent dans l'Est de l'Amérique du Nord. Les représentants actuels de l'espèce ont survécu dans cette partie du continent américain, car aucune chaîne de montagnes transversale Est-Ouest ne ferme l'accès vers le Sud. Les arbres ont pu migrer vers des zones plus chaudes quand le froid s'est installé, puis remonter vers le nord au changement de climat suivant. Notre être commun, lui, est parvenu à contourner les Alpes avec quelques autres espèces et à survivre dans des endroits protégés jusqu'à la période interglaciaire actuelle. Ces espèces comparativement peu nombreuses, qui, depuis les derniers millénaires, ont toute liberté pour remonter vers le nord, talonnent littéralement la glace. Dès qu'il fait un peu plus chaud, les semis ont une chance de se développer et de devenir des arbres qui, à leur tour, produisent et disséminent des graines qui progressent vers le nord, kilomètre après kilomètre. La vitesse moyenne de la migration est de 400 mètres par an. Les hêtres sont particulièrement lents. Leurs faines ne sont pas aussi souvent prises en charge par les jets que les glands des chênes, si bien que d'autres espèces, dont les graines sont disséminées par le vent, colonisent les territoires inoccupés beaucoup plus rapidement. Il y a 4000 ans, quand nos tranquilles êtres communs sont réapparus, des chênes et des noisetiers occupaient déjà la forêt. Cela ne les a pas perturbés, ou plutôt, cela n'a nullement perturbé leur stratégie de germination. Le être, supportant beaucoup mieux l'ombre que d'autres espèces, il a pu germer sans problème à leurs pieds. Le peu de lumière que les chênes et les noisetiers laissaient filtrer suffit aux jeunes conquérants pour se développer en hauteur et effectuer une percée dans les houppiers de la concurrence. Ce qui devait arriver arriva. Les êtres dépassèrent les espèces qui s'étaient implantées avant eux et ils s'octroyèrent la lumière qui leur permettait de vivre. Cette impitoyable marche triomphale vers le nord a aujourd'hui atteint le sud de la Suède, mais elle n'est pas terminée. Ou elle ne le serait pas si l'homme n'était pas intervenu. Avec l'apparition du hêtre, nos ancêtres ont commencé à massivement transformer l'écosystème forestier. Ils ont abattu les arbres autour de leurs habitations pour créer des terres agricoles. D'autres zones furent défrichées pour le bétail, puis ces espaces, s'avérant insuffisants, les vaches et les porcs furent menés pâturer en forêt. Pour les hêtres, cela fut catastrophique leur descendance patiente des siècles au niveau du sol avant d'être autorisée à démarrer pour de bon durant cette période rien ne protège les bourgeons terminaux de l'appétit des herbivores à l'origine la densité de mammifères était extrêmement réduite car ces forêts ne leur offrent que peu de ressources alimentaires avant que l'homme entre en scène les chances d'attendre tranquillement 200 ans sans être dévoré étaient très bonnes puis des bergers sont arrivés dont les troupeaux affamés se sont jetés sur les savoureux bourgeons. Sur les parcelles éclaircies par les coupes, des essences se sont imposées qui jusque-là étaient supplantées par les hêtres. La progression post-période glaciaire du hêtre en fut fortement ralentie, et les territoires qu'il n'a pas reconquis sont encore nombreux. Ces derniers siècles s'y est ajouté le développement de la chasse qui, paradoxalement, a entraîné une augmentation sensible des populations de cerfs, de sangliers et de chevreuils. Le nourrissage du gibier, pratiqué par les sociétés de chasse, notamment dans le but d'accroître les effectifs de servie des mâles, a eu pour effet d'en multiplier le taux de présence naturelle par 50. À l'heure actuelle, l'espace germanophone affiche la densité de grands gibier herbivores la plus élevée au monde. C'est dire les difficultés que rencontrent les jeunes êtres. La sylviculture limite elle aussi son extension. Dans le sud de la Suède, les plantations d'épicéas et de pins occupent les territoires naturels des hêtres. Hormis quelques individus isolés, l'espèce en est quasiment absente, mais elle attend son heure. Dès que l'homme aura tourné les talons, elle reprendra sa marche vers le nord. Le plus lent à se déplacer est le sapin blanc. Appelé aussi sapin commun ou sapin pectiné, notre espèce de sapin local. Il doit son nom le plus courant à la couleur gris argenté de son écorce, qui permet de facilement le distinguer de l'épicéa à l'écorce brun-rouge. De même que la plupart des espèces, le sapin blanc a survécu à la période glaciaire dans le sud de l'Europe, probablement en Italie, dans les Balkans et en Espagne. De là, il est remonté vers le nord à la suite des autres espèces, mais à la modeste vitesse de 300 mètres par an. Les épicéas et les pins, dont les graines sont plus légères et volent mieux, ont eu vite fait de le devancer. Grâce au jet, même le hêtre et ses lourdes faines a été plus rapide que lui. Il semble bien que le sapin blanc ait développé une mauvaise stratégie car en dépit de leurs petites voiles, ses graines volent mal. Et leur taille est trop réduite pour une dissémination par les oiseaux. Il existe bien des espèces qui mangent les graines de sapin, mais leur contribution est insignifiante. C'est le cas du casse-noix moucheté. Quoique beaucoup plus intéressé par les pignes du pin sambro, il collecte et fait aussi des réserves de graines de sapin. Cependant, à la différence du jet qui cache ses provisions de glands et de faines un peu partout dans la terre, le casse-noix moucheté stocke ses réserves dans des lieux protégés et secs. Même s'il lui arrive d'en oublier, le manque d'eau ne permet pas la germination. Le sapin blanc n'a donc pas la vie facile. Alors que la plupart de nos espèces locales se rapprochent de la Scandinavie, lui n'a pas dépassé le harz, au nord-ouest de l'Allemagne. Mais que sont quelques centaines d'années de retard pour des arbres D'autant que les sapins qui supportent l'ombre épaisse, peuvent se développer même sous des hêtres et parviennent ainsi, progressivement, à s'immiscer même dans des forêts anciennes. Ils ont toutefois un talon d'Achille, le goût des chevreuils et des cerfs pour leurs plantules, au point que l'espèce, si elle parvient ici et là à former de grands arbres, ne réussit pas encore à se propager. Pourquoi le hêtre est-il chez nous si performant Ou, posons la question d'une autre façon, pourquoi s'il parvient si bien à s'imposer sur les autres espèces, n'est-il pas représenté partout dans le monde La réponse est simple. Seul un climat océanique tel que celui dont nous bénéficions grâce à la relative proximité de l'océan Atlantique lui permet de donner la pleine mesure de ses points forts. Hormis en haute altitude, où le hêtre ne pousse pas, les écarts de température sont modérés. Des étés frais succèdent à des hivers doux, et avec 500 à 1500 mm par an, le volume de précipitations comble les besoins du hêtre. L'eau est un facteur majeur de croissance et, en la matière, le hêtre marque des points. Pour produire un kilo de bois, il a besoin de 180 litres d'eau. Cela vous paraît beaucoup Il en faut jusqu'à 300 litres, soit presque deux fois plus, à la plupart des autres espèces ce qui a une influence déterminante sur la rapidité de croissance et la capacité à supplanter une éventuelle concurrence. Le manque d'eau étant, par exemple, inconnu dans leur zone de prédilection, froide et humide, de l'Europe septentrionale, les épicéas sont naturellement de gros buveurs. Chez nous, sous des latitudes moyennes, ils ne trouvent ces conditions qu'en altitude, jusqu'à l'étage subalpin. Il y pleut beaucoup, et les températures peu élevées réduisent l'évaporation à sa plus simple expression. Rien ne s'oppose à ce que l'on y use et abuse de l'eau disponible. En revanche, dans la plupart des zones de moindre altitude, l'avantage est au sobre-être qui continue de former de belles pousses verticales, même les années sèches, et parvient ainsi à rapidement dépasser les gaspilleurs. Avec sa propension à s'octroyer toute la lumière en ne laissant rien pour les autres, sa capacité à créer le climat humide qui lui convient et un sol riche en réserves d'humus, le tout associé à une architecture optimisée pour la collecte de l'eau, l'espèce est, pour le moment, imbattable chez nous. Mais seulement chez nous. Dès que le climat devient plus continental, le hêtre commence à souffrir. Les étés chauds et secs et les hivers rigoureux ne lui sont pas favorables. Et il doit alors laisser la place à d'autres espèces, comme le chêne. Ses conditions sont celles de l'Est de l'Europe. Les étés de Scandinavie lui conviendraient, mais les hivers longs et froids ne sont pas pour lui. Côté sud, il ne peut s'implanter qu'en altitude, où il fait un peu moins chaud. Ses exigences climatiques limitent l'air naturel du hêtre au centre de l'Europe. Ce n'est que temporaire. Le réchauffement climatique entraînant une hausse générale des températures, il va bientôt pouvoir se propager vers le nord. Le sud va devenir simultanément trop chaud pour lui, de sorte que son aire de répartition ne va pas s'agrandir, mais simplement se déplacer vers le nord.